Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne de retour sur Kingdom and Castle épisode numéro 3. On s'était quitté, je crois. Il y avait les économies qui sont à la hausse parce qu'on avait monté les taxes à 40. Ok, le bonheur, on était pas mal parce qu'on avait des paysans qui sont enfin en bonne santé. Si on veut regarder à la santé, ça augmente parce que les fruits, enfin surtout le blé, on est au top. Et le poisson. Et le poisson, donc il y a lui, du coup. Il a zéro poisson pour le moment. Est-ce qu'on viendrait pas en rajouter peut-être un petit deuxième? Si on vient le rajouter, il faudrait faire une razzia dans cette forêt, d'autant plus qu'il n'y a plus de loups. Donc ça, on va venir couper cette partie là, tout ce bois. Est-ce qu'on avait un bûcheron ici? Il y en a un là. Ouais, il lui restera quelques arbres. On va venir annuler cette petite coupe. Cette coupe là, là. Tu veux, garçon? Ah, mais ça, c'est le forestier qui est en train de couper. Ok. Pas de soucis. Ok, petite attaque qui va arriver très bientôt. On va se mettre dans le château. Qu'est-ce qu'on peut faire? Salle au trésor, salle de banquet. Ok, antichambre de la guerre. Ben voilà, planification stratégique et recherche pour tout ce qui concerne la guerre. Donc ça déverrouille la caserne, les archers, les douves, la baliste. Sinon, on se remet une tour d'archer. Parce qu'on avait vu, c'était laquelle qui était un peu... Elle qui a une meilleure portée que... Oh, ça se tient, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Par contre, il faut se faire... Il faut se le sortir, ça. Il va falloir se le sortir. On va venir la coller ici, ça ira bien. Donc ça, on va déjà se lancer cette construction qui va être juste nécessaire. On va se mettre de la vitesse 2. Donc une fois qu'ils vont avoir arraché tout ce bois, on va récupérer ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le toubib. Ah ouais. Donc là, il y a un petit contournement à faire. On va se placer par là. Alors, en fait, c'est pas ouf, ça. Pardon. Ça, c'est au cas où. Je souhaiterais mettre. Alors, du coup, faut couper ça, quoi. Allez, venez me raser ça. J'en ai marre de voir de la bûche de partout. Ok. Le poissonnier, on a dit qu'on va le placer par là, lui. Donc ça, on va se mettre. C'est où? C'est dans la bouffe. Cabane de pêcheur. Donc lui, on va le mettre à peu près en face. Oh, de toute façon, il chope tous les poissons. Tous les poissons qui sont là à côté. Ça va être bon. Donc on va se le relier comme ça, lui. Ok. Donc là, on va avoir pas mal au niveau des lits. Ah, pourquoi le bonheur chute? Pourquoi? Parce que nos tavernes sont trop loin. Ah, sont trop bondées. Essayez d'en construire plus. C'est quoi? Ah bah quand même. Quand même. Donc faut se refaire une taverne. Bah, du coup, on va essayer de se la décaler, idéalement. Pourquoi ici, on mettrait pas? Ça peut être bien ici, là. Parce qu'on a dit qu'on irait s'étendre vers le haut. Mais en bas, ils ont pas grand-chose. Allez, bon, on va leur faire plaisir. On va se mettre une petite taverne, là. Le cimetière. Bah, finalement, les tombes sont parties. Ça s'est libéré. 13 personnes. Il y en a 7 qui sont restées. 15, il y en a 5 qui sont restées. Ça commence à se remplir, hein. C'est du manoir. On était parti pour en faire un deuxième, de mémoire. Alors, comment t'es, toi? Toi, tu serais bien comme ça. Ici, donc ça, c'était notre route. On va pouvoir venir couper ça. Ok, est-ce que là, on a quelques arbres? On a un puits. Donc ça, c'est un peu de la place perdue. On viendra coller un nouveau manoir ici, qui viendra me prendre 2 cases. Ah, peut-être encore un petit peu de maison. Ah, peut-être pas trop, en fait. Ah, parce qu'ils vont être loin un peu de tout. Parce que la taverne va se faire là, mais ça va pas tellement nous aider. La nourriture, on a une petite alerte, c'est le poisson. Le poisson, on a beaucoup de mal, donc ça, c'est en cours. On l'attend, 6 pierres, ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'on avait fait le dépôt? Ouais, yes, c'était là. Donc en gros, là-dedans, là, quoi, on va avoir du charbon, de la pierre, du bois qui se stocke là et qu'on pourrait peut-être venir. Et ça, c'est notre gros dépôt ici avec un très bon stock. Ok. Ok, pour le moment ça a l'air pas mal là. Tragiquement, circonstances mystérieuses. Oh. Sans blague. Lui il manque 5 pierres, lui il en manque 6. Et ça c'est le gros chantier, bah lui qui va être terminé. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Prime de risque, ça coûte 50 pièces pour démarrer. Toutes les forces militaires doublent leurs dégâts, mais leur entretien est quadruplé. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ah, je crois que c'était à l'église. Voilà, c'est ça. On peut faire la dîme.
pour 10 pièces. Essayons. Eclipse, vous remercie pour votre donation. Ah, d'accord. Mais sinon, c'est peut-être le bonheur qui est augmenté. Parce que là, en termes d'infos, c'est maigre. Hein. Donne de l'argent, ça, j'ai bien compris le principe. Mais... c'est un peu maigre. Alors, monsieur le poissonnier, du coup, lui, il produit, on l'a dit, il a pas... Ah ouais, les outils. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait encore ce délire-là. Alors, les outils, ça, c'est dans l'industrie. On peut se faire le forgeron, transforme le charbon. Ah ouais, le fer en outils. Et le maçon, lui, répare. Ok, toi, tu vas te placer bah, pile ici, à côté de la mine de fer. Et d'ailleurs, la mine de fer, on pourrait venir en caler une deuxième. Ok, ça s'est lancé. J'ai pas entendu le petit clic pour... pourquoi pas. Aucun outil dispo. Donc là, pour le moment, on a du gros poisson entier. On l'a dit, les maisons. On a ça qui va se fabriquer. Fertile. Je comprends pas. J'ai pas demandé à couper ces arbres, là. C'est pas vrai. Ils écoutent rien. Les attaques, dans 5 ans, ça arrive. En termes de défense. On l'a dit. On peut se faire une caserne. C'est l'école d'archer, moi, qui me tente. Il demande la blinde. Ah, par contre, on peut faire la baliste. Longue portée, faible cadence de tir, dégâts importants. La portée augmente en fonction de la hauteur. Donc ça, pareil, on peut venir se faire une jolie petite tour. Donc là, ça, c'est plutôt défendu. On va s'en mettre une... ici, ça peut être bien, parce que ça, c'est un point qui est mort. Par ici. Hauteur max. La petite baliste. Elle est où? Là. Ah ouais. Ah, niveau portée, c'est pas mal, hein. On va me protéger une grosse partie du territoire au sud. Ici. Ouais, attends, que la zone est limitée ici. Donc on pourrait se refaire une petite tour d'archer par là. Pourquoi pas? Parce que maintenant, on commence à être franchement pas mal, hein. À des douves ralenties. Ah, les ogres. Ah bon. Tout de même. Ok, et après on se fera un gros chemin de ronde sur tout le côté, mais ça, faut avoir des archers, faut avoir plein de belles choses. On va se remettre une petite tour par là. On viendra équilibrer un peu. Pas l'impression qu'on soit au top, là. Parce qu'il manque de la pierre. Ok, niveau du poisson, enfin c'est niveau de la santé. Poisson, on a de plus en plus, enfin de moins en moins plutôt. On a de plus en plus de besoins. On va attendre, ça dit quoi ces emplois? Il y en a 36 qui sont non pourvus. Donc ça, c'était les tailleurs... qui sont où? Tailleurs de pierre. Ah ouais, quand même. Colzan 14, parce que là, il me faut de la pierre. Là. On va commencer à se lancer dans les travaux un peu. Donc de la pierre, on a là. Il y a combien d'ailleurs? Ils sont deux. Il y a deux mines. Donc lui, quoi? Lui, il tourne. Donc lui, on peut lui demander de faire des armes ou de faire des outils pour le moment. Wow, fais les deux, tiens, d'ailleurs. Fais les deux. Ce qui veut dire que lui, bientôt, il va être équipé. Ça, c'est cool. Il y en a 7 qui sont restés. On va avoir un problème de baraque. Cet arbre qui est toujours là, qui traîne. On demande à ce qu'il soit coupé, c'est pas fait. Sinon, si on viendrait se refaire un peu de manoir, là. Est-ce qu'il faut toujours plus de monde? Sélectionne-le. Je peux plus. Ah, j'ai peut-être plus de ressources. Évidemment que j'ai plus de ressources. Par contre, c'est le bois qu'on va légèrement diminuer. Gardienne de cimetière. Ok, les fermiers. Fermiers, je crois qu'on était absolument... Ah non. On n'est pas si bien que ça. On construit peut-être trop. On a quoi? Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Finalement, des bâtisseurs, il faut pas tant que ça, là. Bâtisseurs, il y en a 19. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Par ce manoir là-haut. Elle était où mon début de tour là? Là. Impossible de construire plus haut. Allez, rajoute-moi un étage. On va se rajouter la tour d'archer. Est-ce que t'es vraiment en haut? Ouais. Ici, ça ira bien. Lui, il bosse. Hein. J'aimerais le croire. Ils sont 5. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec sa coque transparente, lui? Complètement immergé.
lui aussi, petit bug graphique. Donc là au moins, on peut les attendre les mecs. On va être pas mal. Ok, il y en a 6 qui sont restés au terme de lit, c'est pas ouf. Le bonheur, on les taxe à fond. Ça, c'est toujours... Mais c'est pas vrai ces armes. J'aimerais pas me faire entendre. Ça on posera directement un manoir là, mais ils sont loin de... Ah non, ils sont loin de tout, c'est pas du tout intéressant de faire ça là. Par contre, on a dit manoir là. Manoir là. Ok, ici notre taverne qui sert un petit peu plus ici. Par contre, on peut se refaire... ils étaient où là, ceux-là là. Ah, ou encore du manoir, hein. Profitons, parce qu'ils ont de belles profondeurs. Ok. Ça ici. Et ça, du coup, on va aller se récupérer. Attends. De la route. On va continuer un peu par là. Oh là. Un petit peu fort. Monseigneur, les voyageurs ont visité. Il n'y a aucun qui a décidé de rester. Bah tiens. Le bâtiment se dégrade. Alors, pas fort, ça va. Ça, c'est quoi? Ça, c'est encore en cours de construction. Ok. Et là, on a 3 manoirs qui sont en train de se faire. Donc, en termes de lit, on va être à fond, on va être bien. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'était de faire une boulangerie. Il me faut de la pierre. Il me faut de la pierre pour la boulangerie. Là, on en est où? Il y en a 38 qui sont pas pourvus. Ah, c'est pareil. Hein. Oh, franchement, docteur. D'ailleurs, pierre, on peut aller jusqu'à 20. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici. Ah, formation militaire, 5. Ça, c'est où? Ça, ça doit être dans l'antichambre. Ouais, il faut 5. Le personnel n'est pas au complet. Oui, attendons. Attendons encore un peu. Et en fait, je me disais, c'est peut-être juste une île personnelle, étant donné que je l'ai mise en grand. Mais ça me paraît immense pour moi tout seul. Mais pourquoi pas? Et peut-être que du coup, les autres joueurs IA se trouvent sur le reste de la map. Enfin, se trouvent ailleurs, en fait, sur une autre île. Parce que sur le petit trailer qu'on avait vu, on avait bien des bateaux qui débarquaient. Et ça m'a fait tilt après coup. Donc je pense qu'on préfère des bateaux et aller les voir. Un de ces 4, sauf qu'on n'y est pas encore. Maritime, parce qu'il faudrait un port. Stock de marchandises récupérées et laissées par les navires de transport. Permet à des navires marchands étrangers d'accoster. Ah, mais il est là. Transporte troupes militaires. Contrôler directement. Clic droit, déplacer le navire. Un ponton, un pont, un pont-levis. Un navire marchand. Et un navire convoyeur. Transporte des ressources. Entre vos ports. Ah. Déjà, il faut un port. Par où ils arriveraient? Un endroit qui serait bien défendu, ça pourrait être là. Côté des loups. Pas une bonne idée, ça. Et on peut se faire des pontons. On va se le mettre là. On va se relier une jolie petite route pour y mener. Voilà. Et comme ça, ah, une peste terrible a ravagé le territoire. Un paysan est contaminé. Donc eux, ils sont toujours deux. Eux, ils bossent dur. Il y en a un qui est dedans. Il y en a un qui est dedans. En recherche de paysans pestiférés. Je demande si les fantômes sont réels. Pourquoi pas. Bon, bah, en tout cas, on va le soigner. Ok, terme de lit. Ça vient d'augmenter un petit peu. Moins 10, car nos églises et les bibliothèques. Faut faire une bibliothèque, je pense. On va pas avoir le choix. Étant donné qu'on va s'étendre par là, on pourrait la poser vraiment vers le nord. Donc ça, c'est ville avancée. Un hôpital. Très bien. Bibliothèque. Bien sûr qu'on peut la faire. Augmente le bonheur. En fonction de la connaissance. Gagne de la connaissance au fil du temps. Ah, mais c'est tout petit en plus. C'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. On va la mettre là. Ça profitera... au moins instruit. Ça sera cool. Ok. Du coup, la pierre, ça commence à monter. Donc, on disait qu'on voulait se faire une petite boulangerie qui va être ici. Juste à côté. Ah, j'aimerais bien sur un truc un peu pourri. Du style là, là. La petite boulangerie par là, on viendra remettre des fermes ici au besoin. Ça c'est quoi? Ça c'est notre petit grenier. Alors il est comment lui? Il y a strictement rien dedans. Parce qu'on a encore un paquet... 25 emplois non pourvus. Donc ça y est, ça se remplit doucement mais sûrement. Et notre boulangerie, je crois qu'il va peut-être avoir besoin d'outils. Le poissonnier. Donc lui, toujours pas d'outils. Donc là on va arrêter de faire des armes.
le fer, c'est cette ressource, je crois. C'est ça. Donc ça, on en a 33. Utilisation des forgerons. Ils en prennent 9, on en produit 16. Et lui, il en est où, là? Consomme un charbon et un de fer pour créer une caisse d'outils. En stock. Disponible à utilisation. Donc là, il a tout ce qu'il faut. Il n'a plus qu'à bosser. Il faudrait bien qu'il le fasse. Et on a là un outil. Ah, autoriser les outils pour... Donc forestier, carrière, mine. Et pourquoi ils auraient besoin d'outils, eux? Parce que ça doit peut-être augmenter leur capacité si on vient prendre ça. Allô? Hein? Invasion? Ah bon? Merde. Je crois qu'on est prêt. Ça y est, ils vont accoster encore au nord, eux. Au nord. C'est pas là où on était au mieux. Parce qu'on a fait surtout une protection au sud. Parce qu'en catastrophe, on peut se recruter quelque chose, là. On peut se faire pas grand-chose, hélas. Ah, école d'archer. Ah, très bien. Ah, très bien au boulot. Ça, on va tout relier autour du château. Ça me plaît, ça, comme idée. Saoule ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on va en faire, là, de ces petites maisons? On pourrait les casser pour en faire des plus longues, gagner en profondeur. Ça, on viendrait le mettre là. Le château... Voilà, faire ce tour-là, que ça fasse un peu propre. Ces maisons, on viendra se les détruire. Ah bah, ils ont un bonheur qui est total, là. Mais c'est vrai que c'est pas super opti. On pourrait même se mettre du manoir, en fait. Deux gros manoirs. Allez, allez-vous-en, vous. Vous êtes certes les premiers colons. Vous êtes indésirables. On veut plus. Et deux manoirs ici. Allez. Et bah comme ça ils vont avoir de quoi faire. Ici on a le dragon qui est en train de se prendre de la flèche. Un petit peu de la tour d'archer. La baliste qui va peut-être envoyer à nouveau une patate. Oh ouais. Ah ça met du bon dégât. Par contre il est vénère hein. Ok, il commence à prendre des flèches de toutes parts. Hein. De la tour d'archer, peut-être de celle du haut, du château. Il a perdu quoi? À peu près la 2/3 de sa vie. Ah j'aurais bien aimé qu'on le tue. Donc là il a foutu le feu. Le saligo, reconstruire. Les vikings qui arrivent par là. Protection, c'est open. Ils ont tué par le dragon, il y en a deux. On a une seconde troupe qui va arriver là. Donc eux, ils vont se faire le même trajet. Trajet qui est absolument pas sécurisé. Parce qu'ils vont prendre cette jolie route. Et ils vont taper notre or. Ah ouais, comment on le dépense vite? On préfilait toute l'or. Un truc qui coûtait, là. Prime de risque, ça servait à rien. Sinon, on achète quelque chose. Mais est-ce que ça me le bouffe tout de suite? 90, atelier de siège. Oh, il est beau. Il est très beau. On va le mettre par là. Je peux pas le mettre ailleurs. Ah oh, si. Oh oui. Ah ouais, yes, on a tout dépensé avant. Donc les 90 sont partis. Ah, donc ça c'est top. Donc lui il repart avec 18. Ah il est mort. On a réussi à le tuer. On a récupéré nos 18. Oh le con. Bon, on aura de la catapulte. Ça construit sec. Hein. Un marchand est arrivé. Oh. Quelle faction? Ah non, de zéro faction. Donc là, on peut acheter et vendre. Finaliser l'achat. Alors, au prix, ça c'est quoi? Ça, on peut lui acheter quoi? 14? Ah non, c'est moi qui vends. Et il achète 2. Ok, qu'est-ce qu'on a en excès? Absolument rien. Un petit peu de pierre. Mais il m'en faut pour les travaux. Ok, et qu'est-ce qu'on peut venir acheter ici? Ça, il le vend 1, ça a l'air d'être du foin, probablement, de la pierre. Puis on a acheté 13 pour 26. Oh, ça vaut pas le coup. Oh, ça vaut pas le coup. Allez, va-t'en. On va remettre ça à 0. M'intéresse pas, toi. Finalisé. Va-t'en. Ciao. Ok. Donc, on sait pas de quelle faction il est. Hein. De par-delà les mers. Non, on ne sait pas. Et ici, en tout cas, on a une nouvelle troupe. Donc eux, ils vont se livrer. Ah, c'est eux les ogres, peut-être. Ah, ça a l'air... Ouais, avec les vikings. Curieux. Allez, faut les maraves. Là, il y en a deux troupes là-bas dedans. Ils vont diriger vers une maison qui les tente. Et se livrer au viol. J'entends plus rien. Ils sont déjà morts. Super efficace, hein. Compétence des soldats 99. Ils sont très qualifiés, donc c'est pour ça.
sont deux dedans, mais ils sont ouf. Hein. 79 dégâts par seconde. Et eux, 63. Très qualifiés aussi. Et compétences, c'est moitié moins. Ok. Eh ben dis donc. On est bien. Alors ici, il attend pas mal. Il attend 100 de pierre. Waouh. Oh, ça, c'est du projet de dingue. Alors ici, ils sont fiers des efforts. Heureux que les Vikings aient été vaincus. Ils sont en bonne santé. Alors, moins 15. Les hôpitaux sont trop encombrés. Ou pas fonctionnels. Parce que du coup, on a que cette petite clinique. Il faudra un maçon pour venir réparer tout ça aussi. Du fer, on en a un petit peu. C'est lui, là, il produit Walou, lui. Hein. Il a un risque d'incendie assez élevé. Oh, quand même. T'exagères. On va rajouter un petit puits, là. Est-ce qu'on viendrait faire un petit maçon? L'hôpital aussi. Des jardins. Il y a plein de choses. Gardien, on avait. Un bel endroit. Accorde un bonus de bonheur. Si irrigué, ou est placé à côté d'autres jardins. Un hôpital. Ça, c'est fort. Elle soigne les villageois affectés par la peste. Les docteurs parcourent la ville pour soigner les malades. L'hôpital. On prévenir se le caler par là. Un gros hôpital à côté du château parce qu'il va pouvoir s'occuper de cette grosse partie-là. On a dit qu'il faudrait placer davantage de défense. Eux, comment on les répare? Donc, taxe moins 18. Il a 16 PV sur 20. Pour ça, il faut du maçon. On pourrait, le petit maçon, il est pas très très... Ouais, il est un petit peu coûteux. Charge de transport, on n'a pas encore besoin. La réserve, etc., etc. Allez, hop, le maçon, on peut le caler. On va le faire quoi? Juste à côté des outils, lui. On va le mettre là. Ça, c'est sous la protection des tours. Ok. Donc, ça donnait quoi? Notre boulangerie aussi. Donc, lui, il fait 10 miches de pain prêtes à être récupérées. Non, pas du tout. Il fait 5 points avec du charbon. Donc, il va venir décupler. Consomme du charbon et du blé pour produire du pain. Stocke le pain en attendant qu'il soit consommé. C'est lui qui le stocke. Le pain, on peut pas le mettre là-dedans, naturellement. On peut pas. Et dans le grenier, stock de nourriture. Le grain est au sec. Donc ça, c'est exclusivement du blé. Ok. Bon, le pain a l'air d'assez vite partir. Là, c'est parfait en tout cas. La peste, faible très bas, la virulence très basse, l'espérance de vie super haute. Ça, on est vraiment au top. L'intégrité du bâtiment, ok. Et le bonheur. Qui est relativement bien. Donc ça, ça va bientôt être terminé. Donc là, on va se faire un petit peu. Petit tour dans le château. Caserne, salle des banquets. Donc ça, c'est de grands festins organisés ici tous les jours. Donc ça, c'est pour venir booster un petit peu le bonheur de tout ce beau monde. Emplacement de feu grégeois. Ça, on va vite y venir. Donc là, on a mis du manoir. Ok. En termes de lit, 330 sur 240. S'ils arrivent 11 par 11, les gonzes, ils sont bien. Cliquez pour réserver cette ressource à l'export. Ok. Autoriser les marchands étrangers à accoster. On va les autoriser. Y a pas de souci. Sur quoi on part? On a dit un bateau, ça va être très coûteux, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on se met une petite tour? Parce qu'après, il y a du mur aussi qu'il faudrait faire. Il va falloir de la pierre à gogo. On en est où des emplois? Il y en a 25 qui sont non pourvus parce qu'on continue encore de construire. Donc on a quoi? Ah bah ouais. Ah, deux de pierre. Ça y est, il est fait. Construire une catapulte. Waouh. Donc ça me demandait de l'armement sûrement. Donc ça, on va lui demander à ce qu'il en produise, lui. Le fer. Le fer, on en produit pas mal. Là-dedans, ils sont 6. Là-dedans, ils sont 6. Lui, on va venir le doubler. Parce que j'ai l'impression que le forgeron, il n'y arrive pas du tout. Ah, est-ce qu'on ferait pas des routes pour relier un peu plus, là? Parce que je vois qu'ils font des sacrés, sacrés déplacements. Allez. Ça, j'aurais pu la reculer et faire autre chose. Tant pis. Ce sera pas trop mal. En termes de bonheur. Donc là, on a l'hôpital qui va être fait. La catapulte, on l'a dit, qu'il va manquer un petit peu d'armes. Postier qui bosse. Risque d'incendie.
C'est surtout les points d'eau, mince. Voilà. Les points d'eau. Parce qu'ici, il y a zéro. Après, ils sont à côté de la flotte. Hein. On va quand même mettre un par prévention ici. Ici, on va en mettre un là. À courir tout ça. Et eux, ils ont strictement rien. Viens ici. Ok. En termes d'incendie, je crois qu'on est pas mal. Là-haut. Point d'eau. Point d'eau. Là-haut, on est bien aussi. Ici, bah, ça, c'est un endroit qui est mort. On va pouvoir y mettre ça. Ok. Eh bah, ça se construit. C'est extrêmement vivant. On commence à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite statue? Une école d'archi. Placement de feu grégeois. Ah bah voilà, une cité florissante, une cité prospère s'est développée sous vos directives. Marrant-il grandit. C'est le cas, donc il y a des jardins, statues. Oh, c'est coûteux. Oh, c'est coûteux. Hôpital, un théâtre. Là où la magie, ok, 8 ouvriers. Donc ça, on pourrait se l'acheter. Après, il y a des bains, il y a des fontaines, une grande bibliothèque, une cathédrale, une arène de joute. Ouah, ça, c'est coûteux. Gardien de cimetière, cimetière si on avait. Des petits jardins qu'on pourrait venir se faire, on verra. Ok, on peut faire du transport de troupes, mais hélas, on n'a pas de troupes. Alors, on peut en revanche se faire une petite école d'archers. Ça commence à être bondé ici. Mais ça, je l'avais ça. Et juste là. École d'archers. Donc on peut former des archers, ça va me prendre 10 de population. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est les armes. Ok, il me faut 10 d'armes, il en a déjà 14. Allez, forme des archers. Let's go. Comme ça, ils seront mobiles. Ça ira très bien pour venir les diriger. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Conscrire des paysans inactifs. Une école d'archers. Ah bah voilà. Oh oui. Donc ça, c'est quoi? Posture de poursuite. L'unité se déplacera pour attaquer l'ennemi présent sur la même île. Posture d'attaque. L'unité se déplacera et attaquera les ennemis à 10 cases aux alentours. Ça me semble pas mal. Contrôlez-moi. Ça m'en a coûté 10, mais ils sont que 9. Qu'est-ce qu'on a fait du 10ème? Qu'est-ce qui se passe? Un navire marchand est arrivé. Ah bon. Lui, on va le positionner. Mais non. Voilà, par là. En attendant. Non, il nous intéresse pas, lui. Alors, à moins qu'on lui vende un peu de caillasse. En fait, on va lui vendre de la caillasse. Parce que ça, on commence à avoir la blinde. Combien il l'achète? Comment il l'achète? Il l'achète 2. Je peux revendre 100 aisément. Ah, il prend 43 max. Il me file 86 pièces d'or. Conclure la vente. Et ben voilà, tu peux repartir. Et là, on se met bien financièrement. Cette route que j'ai faite, c'est cool. Personne ne l'utilise maintenant. Tout le monde traversait. Mort de rire. Ici, des routes. Ah, il y a les routes pavées. Permet aux paysans de se placer encore plus vite. Ah ouais, ça c'est stylé. On va vraiment y faire sur les grands axes. Ah si, ça se déplace beaucoup là. Là. Allez, bah comme ça il va manquer de la pierre. Pierre qu'on a vendue à l'autre couillon. Ici. Ici. Ah, ici, il n'y avait pas trop de besoin. Je suis en train de voir passer des grands chiffres. Ça y est, on a tout claqué. Est-ce que ça nécessitait or? Oh, oh, la pierre, la pierre, la pierre. Ça va tous vider de ce stock-là. Il n'y en a plus. Hein. Allez, les mecs, au boulot. Alors, je ne sais pas combien ils sont. Il y a 77 bâtisseurs. Oh, ils ont déserté leur poste, les gars, pour se lancer dans les grands travaux. De me foutre des routes pavées de partout. On est un pays moderne, donc eux, ouais, ils avaient plus d'or. Alors eux, c'est vrai qu'ils en, ouais, ils en réclament aussi. Donc au niveau de l'or, on est combien? Moins 2. Parce qu'on a les taxes, les hôpitaux, les bibliothèques, les maçons, gardiens de cimetière. Ah, c'est l'hôpital qui vient de popper. Ils demandent grave, hein, 36 en or par an. Donc les taxes, puis, hop là, on va monter à 50. Donc ça, ça va descendre à 59. Waouh, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ok. Donc intégrité, les bâtiments se dégradent avec le temps, donc ça on est passé à 100% parce que le maçon fait bien son taf, donc il est là lui, concentration réparation de la cible, ok, donc ça on peut peut-être cibler un truc qui est endommagé mais là c'est pas le cas,
le poissonnier. Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut, lui? Elle n'a pas d'outils trop loin ou indisponible. J'en ai marre d'entendre ça. Toujours la même chose qu'on entend. Ah, pas de charbon. Et lui, il a pas de charbon. Pourtant, j'arrivais à en faire. Donc c'est quoi? C'est le charbon qui manque. J'en ai plus que 5. Et eux? Ah bah eux, ils ont déserté. Personnel n'est pas complet. Évidemment. Évidemment. Alors par contre, du charbon, on peut peut-être en refaire deux. Ici, ça ira pas mal. Alors ces travaux, comment ça avance? Doucement. Est-ce qu'ils avancent tellement plus vite? Ouais, c'est infime. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, ça fait joli. Il faudrait comparer ici, là. Ah, s'ils ralentissent un peu, et là, on voit qu'ils accélèrent, si, quand même. Il va se mettre à accélérer. C'est surtout quand ils passent en ligne droite. Allez tout droit, les mecs. Ouais, on sent que ça les ralentit. Ok. Bon. Un sacré chantier qu'on a fait. Donc ici, les bâtisseurs, il y en a moitié moins. Il y en a plus que 33, 32, ok. Donc, c'est les autres postes qui vont commencer à se remplir. Niveau des maisons, on en est où? On a une petite marge. On a une petite marge. Au niveau du temps de la vidéo, eh ben, je crois qu'on va arriver à la fin. Bah voilà, on commence à faire route pavée. On a des hôpitaux qui sont sortis en termes de défense. On commence à avoir de l'archer d'ailleurs. Ah, c'est ça aussi qui m'intéresserait pour la catapulte. Mais là, il va me manquer. Je crois que c'est des armes. Donc les deux, on a bien mis production d'armes, pas de soucis. Et le charbon, il va falloir remplir tout ça. Et donc eux, ils ont pas de bois. Alors ça, c'est dingue parce que le bois, il est juste là. Ok, et on va attendre. Bon, après, il y a certains postes peut-être qui sont pas remplis. Est-ce qu'il y en a que j'ai bridé? Ici, on peut en mettre 9. Charbonnier, bah voilà. En fait, c'est pas des... D'ailleurs, Pierre, on avait tout limité. On va arrêter de le faire. Comme ça, emploi non pourvu, 3. Et bah voilà, tout le monde a terminé. Tout le monde charbonne dur, c'est le mot. Parce que là, ils vont m'en sortir une sacrée quantité. Ok, donc du coup, on va avoir des outils très rapidement. Ce qui va pouvoir nous permettre de faire de la catapulte. Par contre, catapulte contre le dragon, ça va pas être ouf, j'imagine bien. Et on peut former de nouveaux archers. Allez, comme ça... Ça permet de sortir un peu les gens de leur plumard. Ça nous refait une petite marge. On va pouvoir agrandir encore notre ville à coup de manoir par ici, de faire des jolis jardins. Et après, peut-être explorer nos voisins. Et éventuellement, leur casser la gueule. Ça, on verra. Ça m'enchante. Ça m'enchante tout de suite. Allez, sur ce, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si c'est le cas. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.